Wow. Good morning, Québec. Magnifique à matin. Québec, l'automne, là, dur à battre. Les levées de soleil ici. Regardez-moi la couleur du fleuve Saint-Laurent. Ah, ça a reluit sur la dash de l'automobile. Là, je suis sur le boulevard Champlain à Québec. Ce que vous voyez en avant, c'est l'église de Salaby. Donc, j'ai mis 75,287 litres et j'ai fait 706,7 kilomètres. Le char du UPS Store ici, c'est ici que je reçois ma poste. Et là, j'ai reçu mes stickers Van Life. Dutch Falia. Fait que je me demande, je suis assez content, je les ai fait venir des États-Unis. Fait que là, je me demande, parce que moi, d'habitude, je suis toujours caché. Fait que j'ai envie de le mettre ici dans la vitre. Comme ça, si je me fais écœurer, ben, je vais prendre une lame de rasoir puis l'enlever. Puis si ça va bien, ben, ça va rester dessus. Mais je m'en suis fait faire une série. J'en ai donné à quelques-uns de mes amis en plus. UPS Store, là, c'est juste là, c'est à Lévis. Et c'est une vraie adresse. Autrement dit, c'est mon adresse pour mon permis de conduire, ma vraie adresse pour mon rapport d'impôt, tout le kit. Puis eux autres, il m'envoie, quand je lui demande, ma poste un peu partout au Canada. Si je suis à Vancouver, Terre-Neuve, ils me font une boîte, ça coûte à peu près 30$, puis ils m'envoient ça. Aussi, si j'ai une lettre que je reçois, je peux les appeler, ils disent « Oui, tu as reçu de la poste, si ça, il y a une lettre. Ah, peux-tu me l'ouvrir puis me lire? Il va me lire ce qu'il y a dedans si j'y demande. Si je veux une copie, c'est possible, il va scanner. » Puis il va me l'envoyer par email, puis là, ben ça coûte 1$ pour le scan, puis l'envoi du email. Enfin, c'est vraiment bon. Pour ceux qui vivent à temps plein dans le van, de UPS Store, il y en a. Dans la région de Québec, il y a juste à Lévis. Puis à Montréal, il y en a aussi, puis un peu partout au Canada. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est un bon hit. À cette heure, il faut que j'aille voir quelqu'un à l'hôpital. C'est pas toujours plaisant, mais il faut aller y remonter le moral. Ici, à Lévis, c'est vraiment beau. Là, je suis en contre-jour là, sur la ville de Québec. Mais c'est vraiment magnifique. Ils ont tout refait ça avec les fontaines d'eau. C'est une bonne place. Tu peux dormir ici dans le parking public pour 20$ la nuit. Ou tu peux. Là, tu prends normalement. D'abord, c'est 2 heures, de 7 heures à 23 heures. Après ça, c'est. Fait que,
t'embarques à 22 mètres et t'es correct. C'est donc avec les fontaines et la ville de Québec en arrière-plan que de Lévis ce soir, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!